tiens, hier j'ai vu le nouveau Freddy en 3D. Ouais, déception, dépression, décès. Je te laisse, salut. Bonsoir à tous. Cette semaine, j'avais envie de parler avec vous de la musique du film Requiem for a Dream, un film où les gens se droguent et où c'est pas trop la fête. Oh putain. Je sais pas ce qui est le plus flippant là, c'est cette drogue ou cette putain de musique? Cette musique, elle peut rendre n'importe quoi flippant. Tout penaud, petit ours brun dit à son père, grand ours brun, tu vois, c'est un sac pour maman qui est malade et qui a besoin d'une bonne injection d'héroïne. C'est un vrai carton cette musique, pourtant il y a que 3 notes. Moi je me suis toujours demandé comment elle avait été composée. Et maintenant Gustave, on va apprendre le piano. Oui. Il y a d'autres notes, tu veux. Il y a d'autres notes, il faut que tu... Oui, oui, mais... Ah, 3 notes, hein. 3 notes, c'est pas mal, ouais. Tu prends de la drogue, Gustave? Petit ours brun. Petit ours brun, d'accord, ouais. Darren, je crois que je l'ai ta musique, là, pour ton film sur les drogués. C'est tellement un carton, cette musique, qu'il utilise dans n'importe quelle émission de télé. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? On prend le F4 ou le F5? On va réfléchir, monsieur de l'agence, hein. Quand soudain, Jean-Pierre se rend compte qu'il a oublié la persillade. J'ai oublié la persillade. C'est Michael, hein, il veut même plus nettoyer les crottes de la chèvre. Comment on peut être aussi malhonnête? Je crois que je vais craquer. Je vais craquer. Ils l'ont tellement utilisé que si un jour ils la remettent dans un film, elle risque de saouler beaucoup de monde. Je te quitte, Jason. Arrête, tu peux pas me faire ça. Ah, bien arrête-toi avec cette musique là, hein. Quoi, j'ai une gueule à chercher un appart? Ça me stresse. C'est mieux là. Bon, allez, à la semaine prochaine. D'ici là, faites-vous des films. Moi, je vous laisse. Et chercher de la persillade.